Skyscanner, effectivement, se développe dans le B2B. Donc, nous avons une API qui est ouverte aux partenaires qui le désirent. On a aussi la possibilité de faire de la marque blanche. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a Secret Escape, qui est l'équivalent un peu de voyage privé, qui utilise les données de vol de Skyscanner pour enrichir ses pages produits. C'est-à-dire, comme ils font beaucoup, bien sûr, d'hôtellerie, de week-end, parfois au sein de l'Europe, pour aider à leur taux de conversion et aussi que ce soit une source de revenus supplémentaires. Les gens voient, pour ce week-end, à ces dates précises, à Barcelone, depuis Londres, vous pouvez avoir des billets d'avion pour tel prix, à partir de tel prix. Ils utilisent Skyscanner pour construire ce service.